Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rapide démonstration du thème social et viral de la boutique MyThemeShop, donc thème WordPress Premium, qui est orienté réseaux sociaux et qui a été spécialement conçu pour augmenter l'engagement de vos visiteurs, notamment au niveau des partages sociaux. Donc, comme vous pouvez le voir, le design suit la tendance flat design, qui est très en vogue, notamment au niveau des réseaux sociaux. Et vous remarquez tout de suite que dans l'en-tête, vous avez les boutons de partage sociaux, enfin pas les boutons de partage, excusez-moi, les boutons vers vos profils sociaux plutôt. Et donc vous avez aussi un encart pour que les gens qui viennent sur votre site s'inscrivent à votre lettre d'information. Ensuite, il a été conçu pour pouvoir être utilisé avec le plugin WP Review, qui permet donc de noter en fait les articles. Et vous voyez que sur les pages d'archives et les pages d'accueil, vous avez les notes qui apparaissent. Voilà. Pour la page d'accueil, on a à peu près fait le tour. Comme tous les thèmes MyThemeShop, vous voyez qu'il y a un bouton retour vers le haut. Je considère que c'est devenu indispensable de nos jours. Et vous avez aussi le menu qui peut rester toujours en haut de page. Bon, là, il est sur le site de démonstration, il n'est pas paramétré, mais sachez que en fait, la barre de menu ici peut rester fixe, même lorsque vous êtes en bas de la page, vous la verrez toujours apparaître ici. Donc ça, moi, j'estime que c'est important aussi. Vous avez aussi le champ de recherche qui est en plein milieu du header. Donc c'est, je pense, quelque chose qui peut être intéressant pour vos visiteurs. Et pour en terminer donc avec cette page d'accueil, au niveau du menu, il a été fait pour être utilisé avec le plugin WP Mega Menu, également vendu par la plateforme MyThemeShop. Donc c'est pas obligatoire, hein, mais ça vous permet d'avoir, vous avez vu, un menu un peu plus sympa au niveau notamment des articles, avec même une pagination dans le menu. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les articles, en sachant que ce thème est plutôt orienté blog et magazine. Donc je dis pas qu'il faut pas l'utiliser pour faire un site d'entreprise. Mais c'est pas sa fonction première, donc il n'est pas forcément esthétiquement prévu pour. Donc vous voyez que au niveau engagement social, vous avez donc les boutons de partage sociaux en haut et en bas d'article. Alors ça, après, vous pouvez choisir de les afficher ou pas. Mais je vous rappelle quand même que le thème à la base est prévu pour le partage social. Vous avez donc le bouton article précédent et article suivant. Donc là, on est certainement sur le dernier article, puisqu'il n'y a pas d'article suivant. Donc, vous voyez que vous pouvez mettre de la pub en bas et en haut de chaque article. Ça, c'est intégré dans le thème. Vous avez également des widgets prévus pour afficher vos publicités. Alors les publicités, elles peuvent être soit sous forme de code comme le code AdSense par exemple, ou alors il y a même des widgets où vous pouvez appeler une image enregistrée sur votre WordPress, ou alors même une image externe, et paramétrer un lien qui renvoie vers le site voulu. Donc notamment pour l'affiliation, ça peut être intéressant. Donc sinon, au niveau du blog, c'est à peu près tout. Au niveau des pages, donc ce qui va nous intéresser ici, bon, les pages sont traditionnelles, ça va être plutôt, je vais vous montrer le panel d'administration du thème. Vous voyez que dans ce panel, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 onglets différents. Donc là, par contre, c'est qu'une capture, une capture d'écran, hein, qu'ils mettent sur cette page-là, mais où on va retrouver les 11 onglets.
Et donc vous voyez que on peut facilement paramétrer les thèmes by theme shop. Donc on a d'abord les paramétrages généraux, les paramétrages plutôt orientés graphiques, on va dire, le header, donc tout ce qui concerne l'en-tête ici. Ensuite, la page d'accueil, les pages de détails d'articles, les boutons sociaux. Donc les boutons sociaux, ça va être notamment ça et les boutons de partage surtout. Ad management. Alors ça, je vais vous le montrer quand même. Donc on va aller dans la page, hop, ici, option de panel. Donc ad management, what the settings. Donc ça, c'est pour les publicités, comme je vous disais. Donc entre, enfin juste sous le titre de l'article et donc avant le contenu, vous collez votre code ici. Vous avez la possibilité de n'afficher la publicité qu'au bout d'un certain nombre de jours. Dans ce cas-là, vous mettez le chiffre ici. La publicité après le contenu est pareil pour l'affichage au bout de quelques jours. Donc vous voyez que c'est assez simple. Ensuite, la gestion des barres latérales. La gestion de menu, bon, ça en général, ça renvoie vers la page de réglage de menu dans l'administration de votre WordPress. Typographie, donc là, vous allez pouvoir modifier la typographie de vos titres, de vos textes, de vos différents contenus, et vous avez un très très large choix. Ensuite, ce qui fait un peu la spécificité des thèmes My Theme Shop, c'est qu'ils intègrent un module de traduction. Alors attention, c'est pas de la traduction automatique, mais par contre, vous allez pouvoir traduire vous-même votre thème expression par expression. Alors ça va s'adresser, je dirais, à deux objectifs de traduction. Le premier, ça va être pour ceux qui veulent juste franciser la partie visible par leur auditoire. Donc auquel cas, c'est vrai qu'il n'y a que très très peu d'expressions qui sont visibles côté visiteur. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin forcément de traduire tout le thème. Donc ça, c'est la première utilisation que je trouve intéressante de ce module-là. Et la seconde, c'est si vous souhaitez vraiment personnaliser la traduction. Je pense notamment, moi qui ai l'habitude de détourner un peu certains thèmes ou certaines extensions. Par exemple, il m'est arrivé de détourner un thème de petites annonces pour le transformer en annuaire. Ou auquel cas, certaines traductions ne correspondent plus, puisque passer une annonce va être traduit plutôt à soumettre une fiche, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est fait. À mon sens, pour la traduction, vraiment, pas pour la totalité du thème, quoi, hein. Donc juste pour traduire quelques expressions. Sinon, je préfère, moi, pour une traduction complète, utiliser PoEdit. Et tant qu'on en est à la traduction, sachez que, si vous voulez pas vous embêter avec, je mets à votre disposition sur mon site wptraduction.com, donc www.wp-traduction.com, les fichiers de traduction de Sociali Viral pour un tarif de 15 € TTC, TVA récupérable. Et donc là, vous aurez votre thème totalement en français, y compris l'administration. Donc comme ça, vous pourrez régler vraiment votre thème comme vous le souhaitez et pour le mieux concernant l'utilisation de celui-ci sur votre site. Eh bien, écoutez, on a fait à peu près le tour de ce thème. Donc, je vais m'arrêter là. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de thème. Allez, ciao, ciao!